Alors voilà, je vais faire les manches. Donc je vais monter 33 mailles en l'air avec le crochet numéro 6. Donc la première maille ne compte pas. 1, 2, 3. Trente-deux, trente-trois. Je reprends mon crochet numéro 5. Je fais les deux mailles en l'air pour tourner. Et au cinquième, à la cinquième maille en l'air en partant du crochet, je vais faire une bride. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je vais faire la deuxième bride. Donc c'est comme pour le gilet, le dos et les deux devants. On fait le même motif. Donc je refais deux brides dans la maille en l'air suivante. Je passe deux mailles en l'air. Dans la troisième, je fais deux brides. Dans la suivante, je refais deux brides. Je passe deux mailles en l'air. Je refais deux brides. Dans la maille en l'air suivante, deux brides. Donc c'est le même motif de bordure que pour le reste du gilet. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais deux mailles en l'air pour tourner. Je prends donc, ici on est à l'arrière du projet, donc on va prendre la bride par derrière. Les deux brides centrales entre les quatre brides et une bride prise par derrière. Donc sur le groupe des quatre brides comme on faisait pour le devant et le dos. Donc on continue. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais la dernière maille. Donc la dernière bride de bordure. Je fais deux mailles en l'air. Maintenant, on est à l'avant du travail, donc on prend les brides par devant. En faisant les deux brides centrales normalement et la quatrième bride en prenant la bride par devant. Voilà. Donc en tout, on va faire 6 rangs. Donc je vous retrouve à la fin du sixième rang. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive à la fin du sixième rang. Donc la bride prise par derrière et la bride de bordure. Nous allons repartir maintenant en faisant un rang de mailles serrées, mais en faisant une augmentation de chaque côté. Donc une maille en l'air pour tourner. On fait une maille serrée dans la première maille, dans la première bride. Ensuite, on fait deux mailles serrées. Dans la même bride et puis on fait une maille serrée dans chaque bride jusqu'à la fin du rang et on fait une augmentation à la fin du rang. Donc une augmentation, c'est deux mailles serrées dans la même bride. Donc je vous montre ça tout de suite à la fin du rang pour l'augmentation de l'autre côté. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc il me reste une bride et puis je fais deux mailles serrées dans la dernière bride et une maille serrée dans la bride de bordure. Voilà. Maintenant on fait une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent et on va commencer à faire notre motif de bordure ici. Donc ce motif là que nous allons faire donc
en bas de la manche. Donc on fait une, deux, trois jetés. Et on rabat tout ensemble. Et on fait une maille serrée. Donc, comme j'ai déjà fait l'autre manche, je vais vous expliquer. On va faire ici trois jetés pour que ce soit des petites boules moins grosses que pour le bas du gilet. Comme c'est pour la manche, c'est plus joli si elle est un petit peu plus petite, un peu moins ronde. Surtout qu'on dépose les manches sur la table. Donc, on fait un jeté, on tire une boucle, un jeté, une deuxième boucle, un jeté et une troisième boucle. On tire toutes les boucles en ensemble et on fait une maille serrée dans la maille serrée suivante. Un jeté, une boucle, deux boucles, trois boucles. On rabat tout ensemble et une maille serrée. Donc c'est toujours comme on a fait les côtés et le dos, enfin le devant et le dos, toujours le même principe. Donc on a les motifs. On a le rang de mailles serrées sur lequel on a fait une augmentation de chaque côté. Et maintenant, on va faire nos petites boules jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Une. Deux, trois, une maille serrée et la maille serrée de bordure. Voilà. Maintenant, on refait une maille en l'air. Pardon. On fait une maille serrée dans la première maille serrée. Et maintenant, vous le savez, on fait une maille serrée devant et derrière chaque boule. Une devant. Une maille serrée derrière, une maille serrée devant, une maille serrée derrière, et ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc une devant, une derrière et une maille serrée pour la maille serrée de bordure. Voilà. Maintenant, on fait une maille en l'air. Une maille serrée dans la première maille serrée et on refait une augmentation dans la deuxième maille serrée. Donc deux mailles serrées dans la deuxième maille serrée. Et on fait des mailles serrées dans toutes les mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors j'arrive à la fin du rang. Donc l'avant-dernière maille, je fais donc deux mailles serrées et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts pour passer à l'étape suivante qui est le crochet tunisien. Donc nous allons relever toutes nos mailles pour faire notre premier rang de crochet tunisien. Donc on a déjà la première boucle qui représente la première maille serrée. Donc je vérifie dans mes petites notes. On a fait l'augmentation. Voilà. Donc à partir de maintenant, nous allons faire une augmentation tous les trois rangs. Donc pour avoir, je reprends la manche que j'ai déjà faite. Donc pour avoir, si vous voulez, cette augmentation, donc cette ouverture de la manche, nous allons faire des augmentations à peu près jusque là. Et ensuite, nous allons continuer tout droit. Donc maintenant, nous allons relever toutes nos mailles pour le point tunisien. Et tous les trois rangs, nous allons faire une augmentation. Donc, je vais faire deux rangs. Et au troisième rang, je vais faire une augmentation. Donc, je suppose que vous vous souvenez, puisque vous avez déjà certainement fait le dos et les deux devants. Que vous vous souvenez comment on fait ce point tunisien.
Voilà. Et alors on revient. On fait une maille, et puis de deux en deux. Voilà. Donc on revient jusqu'à la fin du rang de deux en deux. Je vous retrouve au début du troisième rang de points tunisiens. Donc je vais faire encore un rang et puis je vous retrouve pour l'augmentation en points tunisiens. Voilà, je refais un rang et puis je vous retrouve. Voilà, je suis arrivée à la fin du second rang. Donc un rang de points tunisiens, un deuxième rang de points tunisiens. Maintenant, nous allons faire le troisième rang. Et sur le troisième rang, je vais faire une augmentation. Ce que moi je fais, je vais préparer. Voilà. Donc je vais faire mon augmentation. Donc la première boucle ici, on la compte pas, on fait une boucle et puis entre les deux ici, vous piquez, vous faites une nouvelle boucle et puis vous reprenez la barre suivante. Donc je recommence. Vous avez donc votre boucle, vous faites la première barrette comme d'habitude. Et entre la barrette que vous venez de faire et la barrette que vous devriez faire, vous faites une maille en plus. Donc ici, entre les deux. Si vous arrivez avec dextérité à faire entre les deux, c'est encore mieux. Donc je vous montre, hein, vraiment de près. Donc vous avez votre première boucle ici. Vous allez prendre celle-là et puis celle-là normalement. Eh bien, entre les deux, pour faire votre augmentation, vous allez piquer ici. Donc, vous aurez deux petites barres sur le crochet du dessus et une petite en dessous. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez piquer entre les deux ici. Mais je vous conseille franchement de faire comme ça. Ça sera plus discret. Mais ce n'est pas trop grave si vous n'y arrivez pas, puisqu'après, on va coudre et ce sera le dessous de la manche, hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Donc, je vous remontre avec le crochet tunisien. On prend la boucle qui va dans la petite barre. On pique ici entre les deux. Et donc, j'ai mes deux petites boucles ou mes deux petites barres au-dessus et une en dessous, voyez? Et je passe la boucle entre les deux, comme ceci. Et seulement alors, je fais la barrette suivante. Après, quand je reviens, je fais toutes les boucles normalement. Donc, je vais faire mon augmentation de chaque côté, n'oubliez pas, hein, à gauche et à droite. C'est ce qui va donner cet effet évasé de la manche. Parce qu'en fait, le bas du bras est plus fin que le haut du bras. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait avec du 5 et puis qu'on augmente déjà ici. Parce que sinon, ça risque de trop bailler, quoi. Si vous voulez que ça serre un tout petit peu le poignet, là je vais vous montrer avec l'autre manche. Donc l'autre manche, je l'ai déjà fait parce que je voulais voir si le résultat était bon, quoi. Donc je vous retrouve ici à la fin du rang. On va faire une augmentation de l'autre côté également. Voilà. J'arrive à la fin du rang. Donc, quand il va vous rester deux barrettes, voyez, il reste donc celle-ci, je la fais normalement. Il me reste une barrette et puis il me reste la barrette de bordure, comme d'habitude. Donc, ici, je vais faire entre la deuxième et la troisième barrette, je vais faire mon augmentation. Puis, je prends la barrette normalement. Et puis je fais la bordure de finition. Donc on a deux mailles avant l'augmentation.
Et de l'autre côté, c'est la même chose. On a deux mailles et l'augmentation. Et en fait, c'est pour éviter d'avoir des petites boules au bout. Et puis, c'est plus harmonieux et ça ne se voit pas. Donc, on revient comme d'habitude. On fait 1 et puis de 2 en 2. 2, 2, 2, 2. Et alors, à la fin du rang, je vais vous montrer que je mets cette petite épingle. Comme ça, je ne me trompe jamais et je ne dois pas recompter tous mes rangs pour les augmentations. Et une fois que vous avez fait, vous avez 63 pointes unies, enfin 63 boucles sur votre crochet et 39 rangs, vous avez fini vos augmentations. Donc, on va aller jusqu'au bout. Comme ça, je vais tout vous expliquer. Voilà. Donc, j'accroche. Voyez, à la dernière boucle ici, du rang précédent, à la première boucle plutôt, j'accroche. Vous pouvez mettre un fil, vous pouvez mettre. Il y a d'autres petites agrafes comme ça. Donc vous mettez un repère ici. Et donc vous devriez avoir après deux rangs que vous allez faire deux rangs. Et quand vous faites le troisième, vous avez une augmentation à faire. Et comme ça, tous les trois rangs, vous faites une augmentation. Donc moi je l'avais fait pour m'assurer que tout allait bien. Donc vous faites 1, 2, troisième rang, une marque. 1, 2, troisième rang, une marque. Et si vous regardez vraiment bien, vous allez voir. Ici, j'ai une augmentation entre mes deux barrettes. Sur le bord, une, deux, j'ai une augmentation entre les deux barrettes. Une, deux rangs. Troisième rang, j'ai fait une augmentation. Et comme ça, vous faites une augmentation jusqu'à ce que vous obteniez 63 mailles en largeur et 39 rangs. Et ensuite, on va continuer tout droit. Donc en fait, j'ai fait encore 11 rangs. Donc ici, 11. Donc ça, c'était la dernière augmentation. Voyez, ici la dernière augmentation. Donc j'ai mon repère. Donc je l'ai gardé. Et puis j'ai encore fait 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'ai fait 12 rangs. Attendez. Donc ça, c'est 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, c'est bien 11 rangs. Donc voilà. Et en fait, quand vous avez 50 rangs au total, vous coupez le fil. Voilà. Donc normalement, je devrais avoir 50 rangs au total. Alors, je vous retrouve à la fin de la manche. Donc, quand vous aurez fait toutes vos augmentations. Donc, une augmentation tous les 3 rangs. Vos 50 rangs. Donc, je vais les recompter avec vous ici. Donc, on a les 11 que je vous ai montrés ici. Et donc, à partir d'ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, plus les 11 ici, ça fait 50 rangs. Donc 39 plus 11, ça fait 50 rangs. Ça va? Alors voilà, j'ai fini donc mes 50 rangs, mes 11 rangs sans augmentation. Et pour terminer, nous allons remplir le dernier rang parce qu'en fait, vous voyez, il reste un trou. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce sont des mailles coulées comme ça. Donc vous prenez la barrette et vous faites simplement une maille coulée pour terminer. Oups, oups, oups. Pour terminer votre rang. Allez. Voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc vous avez ici
le trou. Et en faisant ces mailles coulées, vous remplissez, donc vous fermez tout simplement le rang. Donc, comme ceci. Et ça donne une meilleure finition parce que le dernier rang, sinon, il va rester ouvert. Voilà. Et donc, je vais faire jusqu'à la fin du rang. Et puis, je vais vous retrouver pour l'assemblage du gilet.